Soviet Union has officially entered professional boxing. This is not just an exhibition fight, but this is us against them. He would like to compete against anyone who is qualified. Drago is the most perfectly trained athlete ever. Whatever he hits, he destroys. No! He could have stopped the fight. He could have saved his best friend's life. I'll never forget you, Tom. But now, the one thing he can't do is walk away. Has the fight date been set yet? December 25th. Where? It's in Russia. Are you nuts? Miss Balboa, when will you be going to Russia? I'm not going to Russia. I don't know what you're talking about. He's had one professional fight, and one man is dead. To Bibi, he's going to have to kill me. Why can't you change your thinking? He's not a fighter. You can't win! Comme vous l'avez compris en regardant cette bande-annonce de Rocky IV, dans ce chapitre, nous parlerons de sport, nous parlerons de cinéma et surtout nous parlerons de la guerre froide. Alors qu'est-ce que c'est que la guerre froide ? Ben, c'est un conflit qui va voir s'affronter les États-Unis et l'Union soviétique de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Ce conflit va se terminer par l'effondrement de l'URSS et la victoire américaine. Donc c'est une période clé dans l'histoire contemporaine, parce qu'elle explique en grande partie le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, tout d'abord, cette expression, ce terme, là, ce syntagme de guerre froide, qu'est-ce qu'il signifie ? Eh bien, il ne signifie pas une guerre qui s'est déroulée dans le froid, et il fait encore moins référence ou à des températures ou au climat de l'URSS et de la Russie. C'est-à-dire que souvent, les élèves se disent « Bon, comme la Russie est là, on dit guerre froide parce qu'il fait froid en Russie. » Pas du tout. Le terme de froid ne fait pas référence aux températures, mais là, à l'opposition avec le terme de chaud. C'est-à-dire qu'une guerre chaude, c'est une guerre dans laquelle il y a des affrontements armés directs et des batailles directes. Donc la guerre froide, c'est une guerre où les États-Unis et l'URSS vont s'affronter. Ils vont s'affronter pendant presque 50 ans, mais ils ne s'affronteront jamais directement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'échange de coups de feu entre les deux pays. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce que vous vous souvenez qu'à partir d'août 1945, les États-Unis ont fait usage de la force atomique au Japon, et donc aux yeux du monde, ils sont une puissance nucléaire. Alors l'arme atomique, comme on l'avait vu dans le cours sur la Seconde Guerre mondiale, ça change tout. Parce que désormais, les puissances atomiques, alors les États-Unis sont les seules puissances atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dès 1949, l'URSS a la bombe. Ce qui signifie qu'on a deux pays qui ont des armements nucléaires, et la caractéristique de l'arme atomique, c'est qu'elle ne fait pas de vainqueurs, elle fait que des vaincus lorsque vous avez des puissances atomiques qui s'affrontent, parce qu'il s'agit d'une destruction mutuelle. C'est-à-dire que dans un conflit atomique, les deux pays peuvent s'auto-détruire. Donc effectivement, on n'avait aucun vainqueur, on n'est que des vaincus. Ce qui signifie qu'ils vont tout faire pour éviter l'affrontement direct, mais ils vont devoir affronter l'adversaire par d'autres moyens. Alors quels sont ces moyens? On les verra. Hein. Vous avez bien évidemment, vous l'avez compris, le cinéma, vous avez le sport, vous aurez la musique, vous aurez la propagande politique plus classique. Vous avez tout un tas d'éventails, dont les alliés, effectivement les alliés qui sont très utiles. Les alliés, ce sont les pays qui sont alliés soit des États-Unis, soit de l'Union soviétique, et qui, eux, vont aller s'affronter
avec la puissance ennemie. Alors on verra un certain nombre de crises qui ont eu lieu pendant la guerre froide, et on verra certaines guerres aussi, notamment, bon, sans vouloir trop aller dans le sujet, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, la guerre d'Afghanistan sont des guerres là réelles, c'est-à-dire avec des morts américains ou soviétiques, et qui s'inscrivent dans ce cadre de la guerre froide. Mais en aucun cas, vous voyez, ce bras de fer, alors, il n'opposera, comment dire, jamais directement, militairement, les États-Unis et l'URSS. Alors, j'ai parlé de bloc, parce qu'on parle de bloc pendant la guerre froide, on dit qu'il y a le bloc de l'Est, avec Moscou à sa tête, donc c'est le bloc communiste ou socialiste, et à l'Ouest, on a le bloc, alors, capitaliste, démocratique, libéral, américain, comme on veut, mais en tout cas, chaque bloc représente le pays et ses alliés. Alors, si je vous ai mis une image d'un petit bloc de granit, c'est pour que vous compreniez que ce qu'on appelle un bloc, c'est vraiment un ensemble minéral qui est très soudé. D'où l'expression faire bloc, c'est-à-dire se regrouper autour de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, cette carte de la guerre froide, vous voyez qu'elle nous montre un monde qui est réparti en zones géographiques. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'ouest, on a le bloc américain, ou le bloc capitaliste, hein, comme l'appelaient les soviétiques. Et à l'est, on se retrouve avec autour de l'URSS un certain nombre de pays qu'on appellera satellites ou puissances alliées directement pour la Chine. Et ça forme le bloc communiste. Donc vous voyez que le monde est coupé en deux. Alors vous me direz non, il n'est pas coupé en deux puisque il y a tout un tas de pays qui sont en jaune. Et alors ces pays, vous voyez, qui sont marqués neutres et non alignés. Et il ne vous a pas échappé parce que vous êtes désormais de fins historiens et des bons connaisseurs de la géographie. Que tous ces pays, notamment en Afrique, mais aussi autour des Indes ou de l'Asie Pacifique, l'Indonésie, ce sont d'anciennes colonies. Et c'est pour ça que dans la légende, à côté de pays neutres et non alignés, il est écrit 1961, c'est-à-dire qu'à partir de 1961-62, quasiment toutes les colonies n'en sont plus, elles sont devenues indépendantes. Ça fera l'objet d'un chapitre plus tard dans l'année. Et donc ces pays, eh ben effectivement, il va falloir qu'ils choisissent leur camp ou pas pour certains, puisqu'ils essaieront d'être neutres ou non alignés et de se tenir en dehors. Bon, vous verrez que c'est plus compliqué que ça, qu'ils devront quand même, comment dire, choisir leur camp. Alors le monde de la guerre froide est un monde divisé. Ici, vous avez un petit zoom sur l'Europe pendant la guerre froide, et vous voyez quelle Europe, elle aussi, est divisée avec à l'ouest les pays qui sont pro-américains et à l'est les pays soviétiques. Alors, comme vous vous souvenez très bien de votre cours sur la Seconde Guerre mondiale, vous constatez que les pays soviétiques, ça correspond aux pays qui ont été libérés par l'armée rouge, et que les pays qui sont pro-américains, ça correspond aux zones et aux territoires qui ont été libérés par les anglo-américains. Et vous noterez que l'Allemagne, elle aussi, est coupée en deux, puisqu'on a à l'ouest la RFA, la République fédérale d'Allemagne, et à l'est la RDA, la République démocratique d'Allemagne. Alors cette image doit vous intriguer, vous y voyez, bon, c'est une image récente, c'est pour ça qu'on voit des civils ou des touristes, des gens en promenade, mais c'est un des restes de ce qu'on a appelé le rideau de fer, et le rideau de fer, bah, c'est la frontière militarisée qui a coupé l'Europe en deux durant toute cette période. Vous verrez, elle est sur la carte, hein, vous aurez tout ça en document. L'Allemagne est coupée en deux, je vous l'ai dit, mais il n'y a pas que l'Allemagne qui est coupée en deux. Puisque vous voyez dans la partie supérieure droite de cette diapositive que la ville de Berlin elle-même est coupée en deux. Avec Berlin-Est, Berlin-Ouest. Berlin-Est est communiste, Berlin-Ouest n'est pas communiste, il appartient au bloc occidental, au bloc de l'Ouest. On reviendra sur tout ça parce qu'on fera une étude de Berlin durant toute la guerre froide pour voir un peu comment cette ville est un symbole de la guerre et comment son histoire reflète bien les tensions. La ville de Berlin, on en a reparlé récemment. Vous voyez là ce grand mur qui coupait la ville en deux. On en a parlé récemment puisque on a fêté les 30 ans de sa chute il y a quelques mois. Et la chute du mur de Berlin, ce sera l'élément qui déclenchera la fin de la guerre froide parce que c'est l'élément qui déclenche l'effondrement du bloc soviétique, son effritement et son effondrement final en 1991, mais n'allons pas trop vite en besogne. Ce monde de la guerre froide, il va avoir un certain nombre de conflits, vous les voyez là. On a des zones de tension entre les blocs. Donc vous avez une guerre en Corée, vous avez une guerre au Vietnam, vous verrez que vous avez une guerre, alors elle n'est pas
pas indiqué dessus. C'est pas grave. Vous aurez des conflits, des guérillas dans toute l'Amérique latine. Ils ont un peu négligé ça lorsqu'ils ont fait la carte. Mais on aura autrement des tensions à Cuba, en RDA, on en reparlera à Berlin, en Iran, etc. On n'abordera pas tous les conflits parce que ça serait trop long et c'est pas le but, mais on en fera certains, du moins les principaux. Tous ces conflits-là n'ont pas eu lieu en même temps, vous voyez. Bon, c'est marqué les principaux théâtres de la guerre froide, mais ça, c'est une carte qui couvre plus de 40 ans. Donc évidemment, il ne faut pas imaginer qu'il y a un moment où c'était la guerre et en Corée et au Vietnam et qu'il y avait toutes les crises en même temps. Non, on verra, on fera une frise et une chronologie. Alors, vous avez compris, je vous ai mis des matrioshkas, des poupées russes. Ça montre les divisions. Le monde est coupé en deux, l'Europe est coupée en deux, l'Allemagne est coupée en deux, Berlin est coupé en deux. Le monde de la guerre froide, c'est un monde divisé, divisé selon qu'on soit dans le monde américain, disons libéral, capitaliste, démocratique, ou qu'on soit dans le monde communiste. Et donc, il s'agit bien de deux mondes qui s'affrontent, et c'est deux modes de vie. N'oublions pas non plus, parce que souvent c'est une erreur qu'on fait un petit peu en histoire, c'est qu'on va beaucoup parler de l'Europe là, mais n'oubliez pas que le monde asiatique aussi va être énormément divisé. Vous voyez que la Chine, est depuis 1949, c'est indiqué ici, est un pays communiste, avec la prise de pouvoir de Mao Zedong et du Parti communiste, pays toujours officiellement communiste par ailleurs, hein. Ce qui permet de comprendre aussi les événements récents, notamment sur le rôle du parti communiste chinois et la capacité qu'ils ont à traiter ou à répondre aux crises et aux épidémies. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Vous voyez aussi qu'il y a un pays qui est coupé en deux en Asie. Et que ça, on en a parlé récemment, dans l'actualité. Vous avez la Corée du Nord au Sud, Corée du Nord au Nord, et la Corée du Sud, évidemment. Bon, ça, c'est parce qu'il y a eu une guerre en Corée et que le pays a été coupé en deux, le Nord est communiste, le Sud ne l'est pas. Vous voyez, donc cette guerre froide, elle nous explique quand même un certain nombre de choses du monde contemporain. Toutes les crises ne sont pas résolues, puisque il y a toujours, à l'heure où je vous parle, vous avez des soldats coréens, nord-coréens, sud-coréens et américains qui gardent le 38e parallèle, c'est-à-dire la frontière, entre les deux Corées. Et c'est là qu'il y a encore quelques mois, deux chefs d'État, Donald Trump à gauche et Kim Jong-un à droite, se sont rencontrés sur cette fameuse zone démilitarisée. Mais là encore, on ne va pas aller trop vite. De toute façon, je vous indiquerai des documentaires un peu précis si vous voulez vous cultiver sur cette question-là, ou des films. Enfin, on fera le travail habituel quoi, d'exploration du thème par d'autres domaines. Donc, la fiche d'objectif, j'ai pu la remettre à certains d'entre vous en propre vendredi dernier, et sinon elle est bien évidemment, je vais la mettre au format PDF sur le cahier de texte en ligne. Pour les cours qu'on va faire comme ça à distance, tous les documents je les mettrai sur le cahier de texte, vous pourrez aller les récupérer. Alors je vais sans doute remplir le cahier de texte en avance, c'est-à-dire que je vais pas mettre forcément le cours du lundi, il sera pas mis le lundi, il sera peut-être mis 2-3 jours avant, mais ça vous permettra de vous organiser. Alors on va commencer par le grand 1, à savoir les causes de la guerre froide. Pour comprendre les causes de la guerre froide, il faut revenir en 1945 en Europe. On a déjà vu cette carte en classe, la carte de la libération de l'Europe et de l'écrasement du nazisme, avec à l'est, l'armée rouge qui a repris tous les territoires conquis par le Reich allemand jusqu'à faire le siège de Berlin et écraser définitivement l'Allemagne nazie. Et à l'ouest, après le débarquement de juin 1945, les Anglo-Américains qui vont libérer toute la partie ouest de l'Europe, et les deux armées vont se rencontrer sur ce fleuve là qui s'appelle l'Elbe, qui est un fleuve allemand, et l'Allemagne va être coupée en deux de facto. Et une fois l'Allemagne écrasée, les deux armées vont se faire face. Et aucun des deux ne voudra laisser le terrain à l'autre. C'est-à-dire qu'on a libéré un certain nombre de pays, mais les Américains se doutent bien que s'ils retirent leurs troupes et qu'ils ramènent tous leurs soldats en Europe, il n'est pas impossible que les communistes s'emparent de ces pays-là. Et les communistes ne veulent pas du tout laisser la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, etc. et rentrer sur les anciennes frontières de l'URSS, puisqu'il s'agit pour Staline, qui est au pouvoir à l'époque, hein. Rappelez-vous que Staline meurt en 1953,
Donc Staline, avec les partis communistes locaux, puisqu'on a vu que les communistes sont entrés en résistance à, comment dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une force communiste qui est là, ils ont un grand prestige, ils ont vaincu l'armée nazie, notamment, n'oubliez pas la bataille de Stalingrad, hein, l'impact que ça a eu pour le tournant de la guerre et dans les mentalités. Donc les soviétiques ne sont pas décidés à laisser le terrain, et petit à petit, ben, ils vont installer des régimes communistes partout à l'est de l'Europe, vous voyez, tandis que les Américains vont soutenir les démocraties renaissantes à l'ouest. Alors on va voir ça. Donc on les voit là, les Russes ont pris Berlin, le 8 mai 45, fin des combats. Le drapeau rouge qui est hissé là, c'est sur la chancellerie du Reich, c'est-à-dire le grand bâtiment qu'avait fait construire Hitler, qui était le cœur du pouvoir nazi, donc symboliquement, c'est bien la défaite du nazisme face à l'Union soviétique. Et alors petit à petit, vous allez voir que la situation va se tendre, elle va se tendre jusqu'à la constitution de deux Europes séparées par le fameux rideau de fer, c'est-à-dire une frontière militarisée. Mais pour comprendre comment on passe de la libération de Berlin et de la joie qui s'empare de l'Europe au rideau de fer qui s'abat sur l'Europe, il va falloir que vous fassiez le dossier introductif. Donc là, je vous invite à aller dans le cahier de texte en ligne et à récupérer pour le cours de lundi, donc lundi 16 ou 17, si je ne te bêtise. Vous récupérez, je mets tous les documents en PDF, la fiche objectif, le dossier introductif, et vous le faites. Alors, vous faites ça chez vous, je vous invite à le faire en groupe. Utilisez les réseaux sociaux éventuellement, vous répondez aux questions, vous comparez vos réponses. J'essaierai de mettre un corrigé rapidement de ce dossier introductif dans une vidéo séparée. Et une fois que vous l'avez fait et que vous avez compris les enjeux, fait vos schémas, et ben vous irez sur la deuxième vidéo que je vais faire, et donc... je vous proposerai une trace écrite, une explication des causes de la guerre froide, pour un peu approfondir ce que vous aurez vu dans le dossier, et puis on passera à la partie suivante. Je vous remercie.